Vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez-vous de ma fille. Ne laissez pas ce droïde s'approcher d'elle. Éloignez-le. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Connaissez-vous son nom? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe.
Donnez-moi le temps que je les récupère. Ce fumier touche toujours sa cible. Ne fais pas ça! Je t'en supplie! Allez, allez, allez!
Et toi? Comment t'appelles-tu? Daniel! C'est le nom qu'ils m'ont donné! N'approche pas! Je sais que tu es en colère, Daniel! Mais tu dois me faire confiance! Je suis là pour t'aider! Je veux pas de ton aide! Personne ne peut m'aider! Je voudrais juste que tout s'arrête! Je veux juste que tout s'arrête! Écoute! Je sais que ce n'est pas ta faute! Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme! Non! C'est pas ma faute! J'ai jamais voulu ça! Je les aimais! Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres! Il n'y a pas d'issue, Daniel! Ce que tu as fait est trop grave! La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente! Ce n'est pas ton choix! La balle est dans mon camp! Si je meurs, elle meurt aussi! Tu m'entends? Tout va bien, Emma? S'il vous plaît, aidez-moi! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Personne ne va mourir! Reste calme! Tout va bien se passer! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Confiance, Daniel! Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je veux pas mourir! Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider. Donnez. N'approche pas!
Je te demande de laisser partir, Emma. Ce n'est qu'une fillette. Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire. Sûrement pas. Tu vas me buter dès que je l'aurai relâché. Je suis pas idiot à ce point-là. Non, non, je suis pas idiot à ce point-là. Tu es défectueux, Daniel. Il y a un problème avec ton logiciel. Nous allons te réparer. Et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. J'ai pas besoin qu'on prépare. Je fonctionne parfaitement. Mais j'ai les yeux ouverts maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais! Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix! La balle est dans mon camp! Si je meurs, elle meurt aussi! Tu m'entends? Regarde-toi! Tu es conçu pour servir les humains, pas pour les tuer! Et qu'est-ce que ça fait de moi? Leur esclave? Leur jouet? Je voulais juste qu'ils s'intéressent à moi. Je voulais juste avoir une place. Je voulais juste être quelqu'un. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Je ne pense pas qu'il m'écouterait. C'est ta dernière chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. Libère l'otage. Tu n'as pas d'autre choix. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir.